Bonjour les amis, voilà un petit toutou, un petit loulou. Bon, je vais essayer de faire pour le mieux. Son maître m'a dit de le raser. Ah, il a un collier trop serré. Oh là là. Ah oui, le collier était trop serré. Alors, regardez l'état du chien. Ça, tout ça, c'est des nœuds. Voilà. Ben, on y va, c'est parti. On voit dessous. Non, c'est bon. Le mieux, c'est de faire une coupe ciseau, mais bon. Je vais voir quelle lame qui passe. Je vais prendre la lame numéro 7 Esculape pour voir. On a dit le plus court possible. Je vais se débarrasser du poil. Donc ça, c'est la première vidéo de préparation. Bon, la numéro 7 Esculape ne va pas donner assez de netteté. Je vais prendre la numéro 5. Je peux commencer où je veux parce que je suis sûr ça, que je vais le raser. Alors pas de soucis. Bizarrement, même la 5 Esculape ne donne pas de netteté. On va prendre la 3. Là, on tient quelque chose. Voilà, on va étaler ça partout, sauf que cette lame, elle fait du bruit. Je vais la caler avec un peu de poil. Voilà, c'est parti. Il n'y a pas de bruit maintenant. On va enlever la crinière déjà, la tête et tout, hein. On va y aller. On va faire un chien à poil court, hein, finalement. La tête, elle est comme ça, ben on va complètement modifier cette tête. J'enlève tout ça. Souvent les gens me demandent de garder un peu de crinière de manière que ça fasse un peu comme un petit lion. Mais ici, c'est pas ce qui s'embête la demande. On va tout retirer. On va rattraper, on va pignoler pour faire une forme au ciseau. Voilà, ça serait bien pour montrer. Pas de cette humeur où elle s'attache, puis frotte sa joue à doudre les moustaches de son fils. Il n'était pas connu. Donc, une petite chanson de Georges Brassens avec un chien comme ça, ça fait joli. Autant fréquenter de Pierre à Paul, en passant par Jules et Félicien. Embrasse-les tous, embrasse-les tous, que reconnaîtra le sien. Passez-vous par ses armes, passez-vous par ses charmes, jusqu'à ce que l'un de les bras en toi tourne l'œil dans tes bras. Des grandes filles, en allant jusqu'au lit du Christian. Embrasse-les tous. Alors pour les oreilles, je ne vais pas faire la difficulté de... Je vais enlever tout ça. Nous sommes en été. Il fait très chaud sur Paris. Aujourd'hui, il fait une grosse pluie, c'est vrai. Mais c'est pas ce chien qui va souffrir de chaud. Voilà, on retient tout là.
Bon, il m'a demandé le plus court possible. Il est possible de faire encore plus court. Il faut garder quand même un minimum de trucs pour que le chien ressemble quand même. À sa famille. Le poil là, il est tellement gras, rempli de sébum que la bétondeuse même n'arrive pas à récupérer tout ce qu'il faut. Il va falloir peut-être repasser un coup de tondeuse après. On fait ça pour dégager. Je pense qu'il va falloir raser ce chien à nouveau. Hein. Là, la tondeuse ne prend pas tous les poils. Les filles ont choisi le thème, c'est comme un second baptême. Ça leur donne un peu de neuf pour ressortir de son neuf. Oh, 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 la, lélo, oh, la, hé, oh, la, hé, la, la. Oh, oh, les toilettes, ils n'ont pas que des choses conformes à la race qu'on demande des fois. Il y a des toilettages, des coupes personnalisées, stylisées. On doit être prêt à tout. Hein. C'est ça ce que je fais là, c'est assez fréquent en été que les gens demandent de raser le chien. Hein. Même à Paris, ça se produit. Hein. Pour Richard Trépied, moi je pierrais Baliard à Saint-Denis. Pour son amour, cette soine, semblablement tué la reine. Commanda le guéridant, puis jeté en un sac en salle. Mais où sont les neiges d'antan? Puis jeté en un sac en salle. Mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche qui sommeille, qui chantait ta voix de sirène. Avant beau, j'ai si bien le mal. Déjà ma bonne Lorraine, semblait venir en courant. Mais où sont les neiges d'antan? Allez, mon loup! Allez! C'est beau! Un beau tablier ou une belle robe, comme tu veux. On remettra un coup de tondeuse après, et là c'est pas joli. Je suis mariné. Je me dis que dois-je faire s'il faut aller là-haut. Je ne parlais que de moi. Je ressens ce que je pose. Face à une fille, agir comme un. Si tu veux le bonheur, chasse trouver ta chance dans un silence te présente au choix de son cœur. Là, bien sûr, sous la queue, tout ce qui est tombé est resté collé. On met le ciseau en billet et on coupe tout.
Le ciseau en billet, ça permet de ne pas pincer l'anus. Et la queue. Je vais dégager tout ça aussi. Voilà. C'est un joli coup de poing et la queue est dedans. Voilà. En fait, on va faire le même chien avec les poches. Beaucoup plus court. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Hein? Ça fait souffrir tout ça? J'ai trouvé ta chance pendant une coïncidence. Tu te présentes au choix de son cœur. Aïe, voilà, 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 voilà. Bon, tout le monde a compris que c'est une pré-coupe, hein, c'est pas la finition. Je fais ça juste pour pouvoir laver le chien. Je vais faire la finition après. Hop, 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 hop. On ne bouge plus. Comme tout le monde, il aime Céline Dion, hein, c'est vrai. Ah là là, je chante ça pour toi, Nono. Marcher ce matin. J'aimerais vivre avant. Oh, j'aimerais bien. J'ai planté les tulipes. Elle est tarde à éclore. C'est tout, je crois. Ok, je t'aime encore. J'ai coupé mes cheveux, enfin dirais-tu. Ça m'a fait bizarre et j'ai survécu. On m'invite, on me désire. Je danse et je sors. Je danse, je t'aime encore. Mais où es-tu? Aussi loin sans même une adresse. Et que deviens-tu? La tante est ma seule caresse.
quelque part. Et je t'aime encore. Et toi, tu ne m'entends pas. Voilà les amis, sur la fin de cette chanson. Je vais mettre un petit coup de brosse et je passe ce chien au bain. Parce que son poil est rempli de poils morts et de bourre. C'est des poils qui sont pas noirs en fait. Ils sont assez clairsemés, mais une sorte de poil gris, grisâtre comme on dit. Et ça, ça va gâcher le travail après si je les enlève pas. Je brosse ici. Je vais rebrosser abondamment pendant le bain pour faire tomber tous ces poils morts. Et on va retrouver au final un chien bien noir sur la table tout à l'heure. On va faire une bonne finition. Voilà, c'est parti. Vérifie les oreilles dans quel état elles sont. C'est parfait. C'est parfait. Et pour les ongles, est-ce qu'on en est? Ah là là, quelle émotion. Bon ben voilà les amis, à tout à l'heure pour une autre vidéo de la finition.